Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une night routine. Ici sur les images, on voit que je rentre des courses. Je vais poser la clé de la voiture, puis je vais poser les courses dans la cuisine. Par la suite, je me dirige vers ma chambre pour enlever mes chaussures ainsi que ma veste. Une fois que c'est fait, je viens fermer mon dressing et éteindre la lumière parce que c'est pas Versailles ici. Après, je glande en fait sur mon téléphone. Vu que c'est les vacances, tout ça, je reste longtemps dessus. Là, je pars avec une pote. Après, je me dis qu'il faut quand même que je bouge mes fesses et je viens me faire un petit masque pour purifier ma peau. Et pendant que je me le mettrai, je regarderai une série Netflix. C'est pour ça que je suis sur Netflix, tout simplement. Donc là on voit que je viens relever ma tranche pour pas qu'elle vienne dans le masque, qu'elle vienne me gêner. Ici je viens prendre un masque du coup à l'argile rose pour l'appliquer sur mes joues. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon masque avec mon doigt pour pas attacher tout ce que je vais toucher par la suite, je viens essuyer mon doigt. Là sur les images on voit que je cherche quelque chose, mais en fait je cherchais le masque que j'ai utilisé après. Mais en fait c'était ma mère qui l'avait rangé. Du coup je pensais l'avoir mis dans ma chambre, mais en fait non, c'était dans la salle de bain. Et ça va être le masque de chez Garnier au charbon. Si vous voulez savoir avec plus de précision ce que c'est la marque, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, tous les produits seront marqués. Ici on se retrouve sous la douche, mais entre temps bien sûr je suis allée manger. Là du coup j'enlève mes vêtements pour aller sous la douche où je vais enlever mon masque, tout simplement parce que je trouve ça plus simple. C'est moins galère vu qu'on va tout laver, donc autant l'enlever sous la douche. Une fois que j'ai fini d'enlever mon masque, je viens mouiller mes cheveux pour utiliser mon shampoing qui est du coup le shampoing Ducray. Pendant que mon shampoing pose, parce que je dois laisser poser 3 minutes, je viens nettoyer mon visage avec le Cetaphil et après avec le gel moussant de la marque Ducray, qui est principalement contre l'acné, tout ça, tout ça.
Du coup, après avoir appliqué tous les produits pour mon visage, je viens me rincer les cheveux. Après, je viens me laver le corps avec ce gel douche de la marque Nature Moi que j'adore, il sent mais trop bon. Puis je viens m'exfolier le corps avec cet exfoliant de chez Manava, donc de chez Leclerc. Donc après, bien sûr, je sors de la douche et je viens me mettre en pyjama. Une fois en pyjama, je viens peindre mes serviettes à ma porte et je me suis mis une veste. Et c'était un jour où il faisait un peu froid. Du coup, je viens prendre la veste pour la mettre sur moi, tout simplement parce que j'avais froid. Après, je viens me remettre devant ma coiffeuse où je vais me brosser les cheveux avec cette brosse de la marque Babyliss et ce peigne que je ne sais plus d'où il vient parce que je l'ai vraiment depuis une éternité. Une fois mes cheveux brossés, je vais m'occuper de mon visage. Je viens d'abord vaporiser cette brume à la rose, cette eau de rose sur mon visage pour le nettoyer un peu de toutes les bactéries que j'ai, etc. pour le purifier. Après, je viens utiliser ce sérum de chez Bioderma qui est une miniature que ma mère a eu et qu'elle m'a passé parce qu'elle n'en a pas trop d'utilité. Du coup, elle m'a passé, ou plutôt je lui ai piqué. Et sinon, il est vraiment trop bien. Et moi, j'adore les sérums. Je trouve ça assez rafraîchissant l'été. J'aime beaucoup. Après, je vais mettre du baume à lèvres pour hydrater mes lèvres parce qu'en ce moment, elles sont quand même très desséchées avec la chaleur. Puis, je viens appliquer cette crème de chez Bioderma qui est principalement contre les boutons d'acné et contre les points noirs. Après avoir appliqué cette crème, je viens mettre une crème hydratante, donc c'est une crème de chez Pure Aloe qu'on peut retrouver en parapharmacie comme les produits Bioderma précédemment montrés. Et cette crème hydratante est vraiment genre géniale, elle est trop bien et elle est à l'aloe vera, du coup c'est quand même ultra purifiant et moi je l'aime beaucoup, je l'utilise depuis un petit moment maintenant et j'adore les produits de cette marque. Je vous les recommande à 1000%. Une fois tous les produits appliqués, je viens prendre la télécommande pour fermer les volets et fermer les volets. Puis je viens prendre mon livre que je lis en ce moment, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il sera écrit en barre d'infos. Et je viens prendre également mon petit téléphone. Puis je vais sortir de ma chambre pour aller dans le jardin pour lire tranquillement et traîner sur mon téléphone tranquillement également. Du coup, je viens poser tout ce que j'ai pris sur une petite table et je vais aller chercher un espèce de chaise transat, enfin, vous allez voir, pour être bien confortable dans mon jardin, pour lire
Et encore une fois, pour traîner un peu sur mon téléphone. Là, il commençait à se faire tard, je crois qu'il était 21h ou 22h, je ne sais plus trop. Et pendant les vacances, j'aime bien me coucher quand même tôt pour pouvoir me lever tôt le lendemain, parce que je trouve que le matin, si on se lève trop tard, ben, je trouve que c'est gâcher sa journée. Enfin, je sais pas, c'est ma façon de penser après, mais bon. Du coup, je viens replier la chaise, la ranger et reprendre mes affaires pour remonter. En gros, je viens refaire tout ce que j'ai fait avant, mais en sens inverse. Du coup, je vais tout reprendre pour me remonter dans ma chambre parce que ça va bientôt être l'heure de se coucher. Je commence à fatiguer là, à peu près vers ces heures-là. Donc il doit être, je sais pas, moins 22h30, 23h, quelque chose comme ça. Avant de rentrer dans mon lit, bien sûr, j'enlève ma veste pour être plus à l'aise, vu que ma couette va me tenir assez chaud, je pense, j'ai pas besoin de ma veste. Puis du coup, je vais rentrer dans mon lit, et avant de dormir, souvent, je regarde quand même une petite série, histoire de reposer mon cerveau et de me fatiguer encore plus, parce que souvent le soir, rester dans mon téléphone, ça m'endort. Du coup, ça me fatigue et après c'est plus simple de s'endormir. Voilà, je viens mettre, je pense, mon réveil pour le lendemain, pour me lever quand même vers des horaires assez tôt, c'est-à-dire entre 8h30 et 9h. Histoire de pas être trop à la ramasse, parce que pendant les vacances, si je dors trop, j'ai l'impression d'être toute flétrie. Bref. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!